Good morgen, allez, Idan, les sutres aujourd'hui, les lichmat, dov, ben yuti, tibetam, amram, ben chedva, chaya, ester, bat miriam, israk, merz, ben fortuna, et chamichel, ben sultana. Si vous souhaitez, vous souhaitez d'aider notre prochaine étude de Mishnah, qu'on a quitté les 5 minutes éternelles, nous étudions ma serre, chabat, perik, d'alef, mishnavav, azorek, venizkar, le achar, shiatsta, miyado, klata, acher, klata, kelev, oshen, isrefa, patour. Zarak, la sot, chaboura, ben ba adam, ben ba behema, venizkar, atchelo, nasit, chaboura, patour. Ze haklal. Kol chayve chataot enan chayvin achede trilatan vesofan jgaga. Trilatan jgaga vesofan zadon. Trilatan zadon vesofan jgaga. Ptourin achetehe trilatan vesofan jgaga. Je commence à traduire le premier cas de la Mishnah. Et pour vous présenter le principe de la Mishnah, qu'on va voir après une généralité, vous allez voir. Azorek venizkar lachar sheyatstam yadon. On parle de quelqu'un qui jette quelque chose. Et lorsque l'objet est maintenant en train de voler, avant qu'il se pose. Il se souvient que c'est un Shabbat. D'accord? Donc, Venizkar, il se souvient que c'est Shabbat. L'achar sheyatsta miyado. Après que l'objet est déjà sorti de sa main. Entre parenthèses, trois cas de figure que je ne vais pas m'en occuper tout de suite parce que ça va vous embrouiller pour la Mishnah. Klata acher, c'est que une tierce personne l'a réceptionné. Klata kelev, c'est qu'un chien l'a réceptionné, l'a intercepté. L'iklot, en hébreu moderne, ça veut dire capter. Avec le téléphone, est-ce qu'on a du réseau? En français, en hébreu, ça se dit, est-ce que tu as de la clita? On va aussi un merkaz clita d'intégration, c'est parce qu'on est niklat, on s'intègre, on se capte dans le pays. Clata, donc il a intercepté une tierce personne, ou bien le chien l'a intercepté, ou le chien n'est pas encore, elle a été brûlée. La Mishnah m'enseigne qu'il est patour, il est dispensé. Je reprends à l'oral, on a quatre cas de figure, attention, c'est pas que c'est la même histoire, et on a quatre histoires différentes. La première histoire, c'est que j'ai jeté quelque chose, je me suis souvenu avant que ça sorte, la Mishnah me dit, ben t'es pas tour, tu apporteras pas de korban. C'est ça le sujet essentiel de la Mishnah, qu'on va reprendre ensuite avec un autre cas de figure, après avec les généralités. Mais la Mishnah, elle a au milieu, elle a mélangé aussi trois cas de figure différents, c'est qu'en fait, je jette un objet, mais que finalement l'objet ne s'est pas achevé par mon action, mais qu'il y a eu une tierce personne qui est venue l'intercepter, ou bien mon objet, mon action n'a pas abouti. Soit, deux éventualités, je l'ai jeté. Et il y a eu un chien qui est une tierce personne ou un chien qui est venu l'intercepter, ou encore que l'objet l'a brûlé, donc moi, mon action d'avoir jeté n'a pas abouti, c'est pas moi qui l'ai posé à la fin. Dans tous ces cas de figure, pas tout. Je suis dispensé d'apporter un corban. Ce qui m'intéresse, moi, pour le moment, c'est le premier cas. Parce que là, c'est lui qu'on va reprendre, qu'on va continuer à développer dans la Mishnah. C'est que, donc, une fois que j'ai jeté, là, alors, regardez bien, là, on va analyser l'histoire. La vraie malacha de porter à Shabbat, c'est. Oker, ma'avir, maniach. Je soulève de la. Il y a un objet qui a une place, je le soulève, je le transporte et je le repose. S'il n'y a pas ces trois composantes, on connaît ça déjà depuis la première Mishnah de Shabbat, s'il n'y a pas ces trois composantes, eh bien je ne transgresse pas l'interdit de la Torah. Il faut nécessairement lever, prendre. C'est-à-dire que l'objet a une place fixe, je le déracine, akira, hotza'a, je le transporte, ve'anacha, je le repose. Si je le lève, je le transporte, mais après qu'il n'aboutit pas, je ne transgresse pas l'interdit de Shabbat. D'accord? Il faut les trois choses. Maintenant, c'est les trois étapes. Lorsque je jette un objet, je fais aussi les mêmes étapes. C'est que pour le moment, il est ici, l'objet, je le prends, je le jette. Donc je le déracine, il va se transporter, et ensuite il va se reposer. Si ça n'aboutit pas, si ça ne va pas être posé normalement, je ne transgresse pas l'interdit de Shabbat. Ça va être les cas de... Klata acher, klata kelev, oshen isrefa. Mais la Mishnah, elle a mentionné ça au passage. Le but de la Mishnah, elle est maintenant de pousser encore plus loin, en me disant, tu sais, sache que si tu vas jeter, pendant que l'objet est en train de voler, il est en l'air, avant que ça se repose, tu te souviens que c'est Shabbat. Il s'avère que maintenant, ton action, ton tâche gaga, pour apporter un korban, eh bien tu l'as commencé par inadvertance, mais avant que ton action se finisse, tu réalises que c'est Shabbat, tu ne la finis plus avec Jigaga. Même si tu n'es plus du tout actif, tu n'as plus rien à faire, c'est déjà sorti de ta main. Mais l'action ne s'est pas terminée, il s'avère que tu n'as pas fini de transgresser Shabbat, mais Shogeg. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de Korban. Et c'est le principe que la Mishnah me dit, regardez, je vais aller jusqu'au bout avec la Mishnah pour faire un petit peu d'ordre. Zarak la asot rabura, idem encore, il a jeté quelque chose pour blesser. Deux manières d'interpréter la Mishnah. Soit il a jeté blessé à Shabbat, ça peut être un interdit de Shabbat selon le cas, seulement c'est plus délicat. Pour transgresser l'interdit de blesser quelqu'un à Shabbat, il faut que ce soit constructif. Sinon, c'est un mécalquel.
si je mets une claque à quelqu'un qui va se mettre à saigner, et bien en fait, s'il va lui remettre des idées en place, alors peut-être que la claque, elle était positive, c'est possible que ce qu'on avait... mais logiquement, lorsque je l'ai blessé, dans le cas classique en tout cas, je l'ai détérioré, donc c'est pas une menacha sur laquelle je suis chayav. Mais si par exemple il fallait lui faire une saignée, donc je l'ai. D'accord? C'est pour ça que le cas de Zarakala Satrabra, le Tiferet Israël explique en fait, on parle que j'ai pris une pierre et je l'ai jetée pour lui pour le blesser. Et l'interdit, il n'est pas par rapport à l'interdit de blesser, mais il est plus par rapport à l'interdit de transporter à Shabbat. Donc c'est le même principe en fait. Je prends une pierre pour la jeter pour que ça atteigne une cible, et avant que ça atteigne sa cible, Ben Be'adam, Ben Babema, que c'était un homme ou que c'était un animal la cible, peu importe. Mais Venizkar, donc c'est le même principe qui m'intéresse, Venizkar, Atchelon, Asitrabura. Et je me suis souvenu que c'était Shabbat, avant que ça aboutisse, que ça fasse la blessure. Dans tous ces cas de figure, la Mishnah me dit, Patour, je serai dispensé du Korban. Et pour quelle raison je suis dispensé du Korban? Alors la Mishnah me donne la généralité. Zéaklal, telle est la généralité. Kol Chayve Chataot, tous les ceux qui sont condamnés, qui doivent apporter un Korban Chatat, un Korban pour se faire expier d'une faute. Enan Chayavin, ils ne seront Chayav de Korban. Ad Shete'e Trilatan Vesofan Shgaga. Ils ne pourront apporter leur Korban que s'ils étaient Trilatan Vesofan. Leur début et leur fin étaient Bishgaga. Par inadvertance, par oubli. Par contre, Trilatan Shgaga Vesofan Zadon. S'ils étaient au début, ils avaient oublié que c'était Shabbat, mais à la fin, ils se souviennent que c'était Shabbat. Et le chidouche, il est que même s'ils ne peuvent même pas continuer leur... Ils ne peuvent plus rectifier leur tir, malgré tout, l'action ne s'est pas terminée, Beissour. Beishgaga. Trilatan Zadon, ou bien le cas contraire, il a jeté quand il était Zadon. Vesofan Neshgaga, et après, là, elle s'est terminée quand il était Shogeg, par oubli. Il oublie que c'est Shabbat. Dans tous ces cas de figure, on est Ptourine, ils seront dispensés. Hache Trilatan Vesofan Neshgaga. La chaîne, il est un peu lourd, mais on répète encore une fois, Hache Trilatan Vesofan Neshgaga. Que jusqu'à que ce soit du début jusqu'à la fin, qu'on était Beshogeg, par inadvertance, par oubli. On va expliquer après qu'est-ce que c'est venu, pourquoi c'était trop lourd. Pour le moment, je récapitule, parce que la généralité, elle est simple. Un Shogeg, j'apporte une korban Khatat sur le fait que j'étais Shogeg, que j'ai transgressé par oubli. J'ai oublié que c'était interdit, j'ai oublié que c'était Shabbat. Et la Mishnah me dit... Jusqu'à que tu dois nécessairement faire la melacha, l'interdit, du début jusqu'à la fin, que c'était Beshogeg, par oubli. Mais si toutefois tu t'es souvenu, même si tu ne pouvais plus rectifier, parce que j'ai jeté quelque chose et je ne peux pas le courir après pour le rattraper, c'est trop tard. Malgré tout, tu n'as plus fini ton action ne s'est pas terminée, Bishgaga, donc tu apporteras pas un korban khatat. Pour l'insistance bizarre d'abord, on va conclure ça. Acheter Trilatan et Mesovan Shgaga, jusqu'à ce que ce soit du début jusqu'à la fin Shgaga. Le Barthénora, il nous dit, qu'est-ce que l'insistance, la généralité, elle est venue m'apprendre en fait. Les Touye, Nami, Ma'avir, Chafetz, Mimakom, Lamakom. On est venu apporter que. Inclure même le cas où on a transporté d'un endroit à un autre. Donc vous vous rappelez, Oker, Ma'avir, Maniach. J'étais Oker, j'ai pris ce livre de ma maison. Je suis sorti sur la voie publique, je transgresse pour le moment l'interdit. Je suis Beshogek. Veniskar Shehu Shabbat Kodem Shayaniach. Il se souvient que c'est Shabbat juste avant qu'il le repose. Et après il le pose, il ne sera pas passible d'un korban khatat, parce qu'il aura achevé sa melacha sans être shogeg. Ok? Maintenant je reviens un tout petit peu en arrière sur les deux cas supplémentaires, les trois cas supplémentaires de la Mishnah, qui me disaient que si j'ai jeté, et j'étais shogeg, et je sais, j'ai pas réalisé que c'est Shabbat. Mais finalement, je n'ai pas achevé l'action pour deux cas de figure. Deux principes différents. Soit que mon action n'a pas abouti, elle ne s'est pas terminée parce que l'objet l'a brûlé, ou encore un chien est venu intercepter. Ouais, je laisse le clata à faire quand c'est une tierce personne, parce que c'est un petit peu plus nuancé. Mais un chien qui est venu intercepter. Je vous ai dit, lorsque pour transgresser l'interdit, il faut que. Ok, ma vie en maniaque. Donc lorsque je jette. Je déracine, je jette et je pose. Lorsque premièrement, ça ne se pose pas à la fin parce que ça se brûle, ou bien c'est un chien qui vient et qui intercepte, donc qui fait que ça ne va plus se poser comme c'est prévu.
C'est le chien maintenant qui a fait l'action de poser, c'est plus moi qui ai fait l'action de poser. Et c'est selon ce principe aussi qu'il y a maintenant le clata acher, c'est une tierce personne qui est venue l'intercepter. Il s'avère que l'action a été terminée par une deuxième personne, ça s'appelle un cas de Shnaim Shasaoua. Deux qui ont fait un travail ensemble. C'est-à-dire en fait, c'est comme l'histoire de la première Mishnah de Shabbat, on apprenait qu'il y a vous rappelez, le riche et le pauvre. Le riche qui est dans la maison et le pauvre qui est dehors, et le riche qui va prendre de la nourriture pour lui donner et lui donner dans la main. Là, il transgresse l'interdit. Mais s'il va lui sortir et c'est le pauvre qui va lui prendre de la main, eh bien c'est le pauvre qui a fait l'action de finir. Personne n'est condamnable dans l'histoire parce que personne n'a fait l'action avec les trois étapes de Oker, Mahavir, Maniar. D'accord ? Selon ce même principe, on a donc le cas de Klata Acher, Klata Kelev, Moshen Yisrefa, le cas de Klata Acher, c'est une tierce personne qui a terminé l'action en fait. D'accord ? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Toum.